C'est Julie. Alors, je suis de retour aujourd'hui et j'ai envie de te parler d'un sujet donc là qui n'a rien à voir en soi avec le bouddhisme, mais aujourd'hui j'ai envie de mettre l'attention sur, j'ai envie d'amener ton attention un peu plus vers les discussions intérieures que tu as à ton propre sujet. Ooh. En fait, tu vois, si tu y réfléchis un petit peu, tu vas très vite te rendre compte que les pensées et les mots que tu as à ton sujet en toi, dans ta tête. Si tu t'observes pendant toute une journée entière, tu vas très vite te rendre compte que la grande majorité de ce que tu te dis est négative. Oui. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut savoir que ton cerveau, il écoute tout ce que tu dis de toi. Il écoute tout ce que tu dis. Okay? Et donc en fait, bah, par exemple, si tu te répètes pendant un mois, hein, tous les jours que tu es, je sais pas, belle, et ben, au bout d'un mois, tu vas commencer à vraiment te sentir belle, à vraiment te sentir bien. Et ça marche aussi pour l'inverse. Laisse-moi deviner. Tu fais l'inverse, non? Ouais. Et en fait, si on prête attention à ce qu'on se dit, genre c'est des trucs en mode, on se dit t'es pas assez ci, t'es trop ça, même des fois on s'insulte. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc je te mets au défi, tu vois, de t'observer pendant une journée et de voir quelles pensées tu as de toi. Tu vas voir. Et si jamais, imaginons, à la fin de la journée, tu as envie, tu les écris sur un papier, quelque chose, voilà, par curiosité, ça va te surprendre. C'est à ce moment-là où ça va te sauter aux yeux, tu vas faire wow! Parce qu'en fait, ce sont des trucs que tu dirais jamais à quelqu'un d'autre, tu vois. À part si tu as un peu de haine envers cette personne, mais enfin, je veux dire, tu dirais jamais des choses comme ça à quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, en fait, la plupart des choses que tu te dis, en fait, prennent racine dans la société ou l'environnement familial ou amical dans lequel on vit. Donc, c'est-à-dire que ce sont des facteurs aléatoires qui peuvent être bons ou mauvais, mais dans les deux cas, ils ont autant d'influence. Donc, ce qui est super chiant, c'est que si jamais tu les questionnes pas, bah, le truc, c'est que ça a du pouvoir sur toi, en fait. Ça a le pouvoir de te rendre mal, tu vois. Donc, si tu veux récupérer ton pouvoir, il faut que tu questionnes ces discussions intérieures que tu as sur toi-même. En fait, le truc, c'est que tu dois apprendre à devenir ton ou ta meilleure amie. C'est-à-dire que tu dois apprendre à te complimenter, tu dois apprendre à te consoler quand quelque chose ne va pas, tu dois apprendre à te féliciter quand tu as fait quelque chose de bien. Parce que le truc, c'est que si tu le fais pas, tu vas sans arrêt l'attendre de l'extérieur, sauf que le problème, c'est que ça te rend dépendant ou dépendante et tu recevras pas forcément les encouragements ou les compliments de la meilleure qualité qui soit, tu vois. Et je peux te le dire, hein, tu mérites bien plus de félicitations, tu mérites bien plus de compliments, tu mérites bien plus de soutien et bien plus de consolation que tu ne peux même le penser en fait. On n'est jamais assez félicité. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est suffisamment félicité pour tout ce qu'il ou elle a fait en fait. Tu vois? Donc le truc, c'est qu'il faut que tu apprennes à arriver à faire ça pour toi en fait. C'est que toi, tu peux décider de t'apporter le meilleur soutien, tu peux décider de t'apporter les meilleures consolations, de t'apporter les meilleurs compliments, de t'apporter les meilleurs mots, tout. C'est toi qui décides, tu as les rênes, c'est toi qui es au pouvoir là. Donc c'est pour ça que c'est super puissant en fait de se rendre compte de ça. Et pour arriver à faire ça, oui, il y a des petites techniques. La première, hein, c'est d'être conscient ou consciente de ce que tu te dis sur toi. Tu vois, de prendre l'habitude de te rendre compte que, ah merde, là j'ai eu cette pensée, là je me suis dit ça, genre c'est méchant, et de reformuler en fait. Genre par exemple, si jamais tu te vois dire genre, oh putain, je suis con, là tu t'arrêtes, tu fais, attends, j'ai eu cette pensée, elle est pas bonne, je change ma pensée. Et à la place, je dis, oh bah tiens, là il y a un truc que j'ai pas compris, attends, laisse-moi regarder un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu sens la différence entre les deux, là? Et ensuite, la deuxième technique, c'est de se parler devant le miroir. Ouf, 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 ouf. Alors, je sais, c'est pas forcément quelque chose d'habituel, hein. On peut trouver ça bizarre, mais écoute, tu fais ça quand personne te regarde, et en fait, ça te permet de créer une relation avec toi-même, en fait. Parce qu'il se trouve que toutes ces pensées négatives, tous ces mots méchants qu'on se dit à nous-mêmes, genre, ça ne développe pas notre relation à nous-mêmes, en fait. Ça nous déconnecte parce qu'on se dit des trucs méchants. Voilà, est-ce que tu voudrais être ami avec une meuf ou avec un mec qui passe sa journée à te dire « Oh, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est nul, machin. » Genre, tu voudrais pas être ami avec, tu vois, donc tu t'éloignerais. Et ben c'est exactement ce qui se passe avec nous-mêmes, en fait. Donc, à ce moment-là, en te parlant devant le miroir et en étant conscient ou consciente de ce que tu dis dans ta tête, en fait, tu recrées une connexion avec toi-même, recrées une relation avec toi-même. Et quand tu vas te regarder dans le miroir, c'est à ce moment-là où fais-toi des compliments. Tu les mérites, les compliments. Fais-toi les compliments.
Entraîne-toi à te faire de très beaux compliments, de vrais compliments, de beaux compliments. Genre, console-toi, encourage-toi, ok? À faire encore mieux que ce que t'as fait, tu vois? Genre, félicite-toi pour tout ce que t'as fait. Genre, t'as réussi déjà à faire plein de choses dans cette vie. Prends vraiment ce temps. Donc voilà, écoute, je suis contente d'avoir pu te dire ça, vraiment contente. Et bah, n'hésite pas à me dire si tu l'as fait et comment tu l'as senti. Donc voilà, bon bah, bisous.